Chers frères, nous vous saluons tous. Aujourd'hui encore, nous sommes avec notre pasteur, le Roy, un évangéliste encore. Il ne se fatiguera jamais. Moi aussi, je ne vais pas me fatiguer. Il n'y a pas de problème. Il dit qu'il va nous prouver dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Selon nous les musulmans, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais selon eux, Jésus-Christ est Dieu. Il y a beaucoup de musulmans qui vont nous écouter. Pardon, si vous voulez bien apprendre la Bible et si vous voulez comprendre les idées des chrétiens, écoutons cette vidéo, elle est très importante. Peut-être un jour, tu vas rencontrer avec un chrétien, tu lui diras que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais quelle réponse le chrétien te donnera? Écoutez, nous allons donner 5 minutes à nos pasteurs, à notre pasteur, le roi, il va nous expliquer, il va nous montrer dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Le pasteur, on te donne la parole. Ok, shalom, que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes là pour parler sur la parole de Dieu. Puis Jésus-Christ a dit, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations et après viendra la fin. Dans l'évangile de Jésus, c'est pour le monde entier. Non seulement Jésus, la mission de Jésus, ce n'était pas seulement pour ce monde, c'était même pour le monde d'en bas. Cela veut dire même les gens qui sont en dessous de la terre, ils attendaient Jésus. Donc la mission de Jésus, c'était une mission extraterrestre et terrestre, planétaire. Même les gens qui étaient morts au temps de Noé, qui n'étaient pas des juifs, ils attendaient Jésus. Oui, mon frère, les musulmans, ils nous posent cette question chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Et nous sommes là pour faire ce que l'apôtre Pierre disait. Si quelqu'un vous pose une question, vous devrez être capable de répondre. Puisqu'il y a des gens que la Bible appelle des moqueurs. Ils sont là pour poser les mêmes questions. Et nous nous donnons aussi des réponses. Et il n'y a aucun musulman sur la terre capable de nous réfuter, de nous montrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On n'en a jamais trouvé. Mohamed avait essayé. Mohamed avait mon frère, allons. Alors, oui, pour cela... Donne-moi mon écran, puisque moi je parle, je dois montrer avec l'écran tout ce que je suis en train de dire. Puis je dois donner. Je n'ai pas vu d'abord. Je n'ai rien vu. Attends, je t'envoie mon écran. Juste une minute. Ouais. Voilà, tu vas nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. C'est très important. Oui, mon écran est là. Comme tu es évangéliste, voilà, il y a beaucoup de musulmans ici. Hein? Tu vas garder comme ça. J'aime que l'écran puisse apparaître comme ça. Donc, non. Les gens nous voient. Les gens nous voient et puis ils voient aussi l'écran. Mm-hmm. Alors, je commence par Jésus-Christ lui-même. Il va nous présenter qui est-il. Puisqu'il y a des gens qui ont parlé sur lui, il y avait comme le prophète Moïse. Jésus-Christ nous dit ceci. Nous sommes dans Jean au chapitre 5, au verset 46. Il dit ceci, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. » Et Moïse a écrit sur Jésus. Mais Moïse, comment est-ce qu'il appelait Jésus? Hein? Ça, c'est un prophète. Comment est-ce que Moïse appelait Jésus? Nous allons voir. La Bible est extensive. Nous allons partir dans le livre de Jude. Nous sommes dans la Bible, le livre de Jude, au chapitre 1, verset 5. On va voir le Dieu de Moïse, celui qui les a fait sortir d'Israël. Comment est-ce qu'il s'appelait? Son nom. Jude 1, 5, on nous dit ceci. « Mais je veux vous rappeler à vous qui savez toute une fois, à vous qui savez tout, une fois pour toutes, que Jésus, après avoir tiré le peuple hors du pays d'Égypte, fit... En second lieu, périr ceux qui n'avaient pas cru. Donc, le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, son nom c'est Jésus.
Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Donc, on nous montre très bien que celui qui a fait sortir les enfants d'Israël, hein, de l'Égypte, son nom, c'est qui? C'est Jésus. Donc, le Dieu de Moïse, c'est Jésus-Christ. Et ce que j'ai dit, c'est biblique. C'est écrit dans la Bible. J'ai beaucoup de versions. Que ce soit le grec, le latin, c'est le Nouveau tout Testament, ou bien c'est, confirme c'est que le Dieu ou bien l'Ancien Testament. Qui a fait sortir. Alors, oui, je t'écoute. Ouais. C'est dans le Nouveau Testament. Jude c'était un disciple de Jésus. L'un des apôtres. Il faut bien préciser, ce n'est pas moi. Les gens que nous écoutent là, il faut dire que Nouveau Testament, Ancien Testament, pour qu'ils puissent te comprendre. Parce que tu es toujours dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a fait que Jésus, Moïse a appelé Jésus Dieu. Nouveau Testament a fait ça. Mais continuons. Jude chapitre 1, je suis dans Jude au chapitre 1 verset 5. Il n'y a pas de problème. On nous dit que Jésus, c'est Jude, Jésus qui a fait sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Et puis, il a fait périr les incrédules. Donc, le Dieu qui faisait tout, son nom c'est qui? C'est Jésus. Et j'ai la version même en grec. Là-bas, on nous montre le nom de Jésus. C'est Jésus qui a fait sortir les enfants d'Israël. Donc, le Dieu de Moïse, celui qui a fait sortir les enfants d'Israël, de l'Égypte, son nom c'est qui? C'est Jésus. Ça, et c'est pour cela que Jésus dit, Moïse a parlé, il a écrit de moi. Chaque fois que Moïse disait, l'Éternel dit, Jéhovah dit, l'Éternel, il parlait de Jésus-Christ. C'est la même personne. Il n'y a pas deux personnes, c'est la même personne d'après les Écritures. À toi le micro. C'est très bon, nous sommes très bien contents de ce que vous avez dit. Donc, pardon, encore, montre-nous là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Il faut bien clarifier ça d'abord, parce que toujours on était dans le Nouveau Testament. Bon, que Moïse a appelé Jésus son Dieu, c'est toujours dans le Nouveau Testament qui a fait ça. Maintenant là, est-ce que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu? Montre-nous le verset là, vite, après on va partir. Tu veux un verset qui dit quoi? Jésus dit quoi? Là où il dit qu'il est Dieu. Là où Jésus dit, je suis Dieu. Oui. Attends, c'est pour cela que j'attrape les musulmans. Il n'y a aucun verset même dans le Coran là où Allah dit, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Dieu ne parle pas comme ça. Allah n'a jamais dit, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset comme ça dans le Coran. Et je te défie à toi, c'est un défi que je te lance, toi. Cherche un verset du Coran là où Allah dit, je suis Dieu. Ça n'existe. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu pour parler, Dieu a dit ceci. Même dans le Coran, il a dit qu'il va parler derrière un voile. Il parle, il peut t'envoyer un prophète. Il peut t'envoyer un disciple, il peut t'envoyer mon frère, un apôtre. Tu dis que Dieu ne parle pas comme ça. Oui. Vous avez dit que vous avez la Bible dans votre sang. Oui. Mais si tu dis que Dieu ne dit pas que je suis Dieu, si je te montre dans le livre de Isaïe, là où c'est écrit, je suis Dieu en dehors de moi, personne ne sort, si je te montre ça. Et je vais te prouver avec les Écritures que celui qui parle dans Isaïe, c'est Jésus. Non, j'étais deux filles. Pasteur, on va pas là-bas. C'est toi qui dis que Dieu ne parle pas comme ça. C'est ça que tu dis. Ça, ce n'est pas. Je ne vais pas mélanger aujourd'hui. On va laisser ça. Ce que je te dis d'abord, prouve-moi dans la parole de Jésus. S'il n'y en a pas là où Jésus dit qu'il est Dieu, s'il n'y en a pas ça. Dans la parole de Jésus, qu'est-ce qu'il prouve dans sa parole qu'il est Dieu? Montre-nous ça, on va partir. Chez nous, j'étais deux filles. Donne-moi un verset là où Allah a dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Mon frère, on a vu et Jésus. Attendez. Ce n'est pas ça, on ne va pas dire là-bas. Je vais y aller. Non, oui. Donne-moi un verset du Coran là où Allah dit, je suis Dieu. Il n'y a pas de problème. Si on a fini ça d'abord, on va arriver non, là-bas. Non, tu n'as pas de verset. Attendez. Tu n'as pas de verset.
Ce que je vais te dire, ce que je vais te dire, tu as dit que Dieu ne parle pas comme ça. Je t'ai corrigé. Ah. Deuxièmement encore, on a vu Dieu Jésus. Dieu ne parle attendez, pas comme ça. Attendez, attendez. Comme ce que toi tu dis. Oui, attendez. Je suis Dieu. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. On a ça. Et pour te dire. Pasteur, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Oh, Écoute, écoutez-moi. Il ne faut pas changer le sujet, pardon. Yeah. Oui, tous les musulmans t'écoutent. Moi, je veux que les musulmans comprennent que la Bible dit que Jésus est Dieu. C'est ça, ici, ton travail aujourd'hui. Après, on a les questions à te poser. Même si Jésus n'a pas dit « Je suis Dieu », mais les paroles qui sont sorties dans la bouche de Jésus, qui dit qu'il est Dieu là, il faut envoyer ces paroles okay. là. Oui? Oh, ok, je te donne. Apocalypse. On le voit dans Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse. Ça, c'est Révélation, non? Oui, Révélation de Jésus-Christ. Ouais, ouais, okay. Apocalypse chapitre 21, au verset, on peut commencer au verset 6. Pour la beauté de l'évangile. La beauté, ouais, lis seulement. La splendeur. Oui, pardon, lis. Apocalypse 21, 6, il dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Je serai son Dieu. Ça, c'est lorsque Jésus nous appelle à lui, nous venons chez lui. Il est notre Dieu. Pour les croyants, il dit, celui qui vaincra, qu'il vienne à moi. Il dit à celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Lorsque tu viens chez Jésus, une fois que tu es chez lui, il est ton Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Puisqu'on avait dit que Jésus, c'est lui le Père de l'éternité, le Père éternel. Alléluia. Donc tout ce que nous disons en tant que chrétiens, nous le disons sur base des Écritures. Et il n'y a aucun verset du Coran là où Allah dit, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Je défie tous les musulmans du monde. Personne. Il n'y a aucun musulman en Afrique ou bien en Arabie Saoudite qui va dire. Je ne veux pas qu'on soit en dehors de ce que nous venons de faire. Vous avez bel et bien montré que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ça? Oui. Oui. Voilà. Vous croyez que Dieu est un seul Dieu. C'est pas ça. Dieu n'est pas deux, il n'est pas mille. Dieu est un. C'est pas ça? Oui, Dieu est un. Il n'y a pas de problème. Comme Jésus-Christ est Dieu, moi, ma question, est-ce qu'en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu? En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Ok. Et je peux te poser la question? Non. Je viens. Vous avez expliqué. Les musulmans veulent comprendre. Après, tu vas me poser. C'est mon temps de te poser. Attends. Il faut pas avoir peur. Ok. Je te dis, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu, non? Et il n'y en a pas. Jésus seul est le Dieu, c'est pas ça? Oui. Il n'y a pas de problème. C'est ça que nous voulons, non? Maintenant, c'est que ma deuxième question, c'est quoi? Qui a envoyé Jésus? Quel Dieu qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Voilà, qui? Qui lui a envoyé? Celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est son Père qui est lui-même. Mon frère. Oui. Tu vois, non, nous sommes... Qui a envoyé Jésus-Christ? Qui lui a envoyé? Remets mon écran, je te donne une écriture. Voilà. Qui a envoyé? Tu poses une question, je te réponds. Oui. Ok. On va voir. Nous allons partir dans le livre de Osée, la Bible dans mon sang. Alléluia! La Bible dans mon sang. On va voir qui a envoyé Jésus-Christ. Qui lui a dit, va sauver ces gens-là. Comment est-ce que Dieu sauve? Comment est-ce que Dieu envoie? On va partir dans le livre de Osée. Nous sommes dans Osée, chapitre 1, verset 7. Dieu dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je le sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Dieu dit que je vais envoyer l'Éternel, leur Dieu. C'est Dieu, il dit, je vais envoyer Dieu pour les sauver.
C'est comme ça que Dieu parle dans des images, dans des paraboles. Lorsque Jésus disait, mon Père m'a envoyé, c'est une parabole. Puisque la Bible dit, Jésus parlait en parabole. La parabole, là, s'explique dans Osée. Dieu dit que pour sauver la maison de Judas, je vais les sauver par l'Éternel, leur Dieu. Je vais envoyer Dieu. C'est comme ça que Dieu parle. Il n'y a pas de problème, je comprends. Selon votre Bible, Dieu peut dire qu'il envoie, il va envoyer un autre Dieu, non? Pas un autre. Il dit ceci, je vais les sauver par l'Éternel, leur Dieu. C'est Dieu qui parle en parabole. Lorsque Jésus dit, mon Père m'a envoyé, c'est une parabole. Je comprends. Alléluia! Attends. On va venir petit à petit. Tu sais que nous, les musulmans, avec toi là, les musulmans vont comprendre bien la Bible. Il faut faire sortir Jean chapitre 3, verset 16. Ah, très, très, très bien. Alléluia! Oui, il faut faire sortir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Enfin, j'ai dit, il faut faire sortir. Voilà, il faut faire sortir. Pardon. Ne t'en fais pas. Jean au chapitre 3, God so loved the world that he gave his only begotten son, that whomsoever believeth in him shall not perish but be saved. Nous sommes dans Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Attendez, la Bible dit que car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. C'est Dieu. En anglais, le verset là que vous avez dit là, et ce qui est écrit ici en français, ce que toi-même tu dis en anglais là, et ce qui est ici, écrit ici en français, c'est deux choses différentes. C'est la même chose. Attendez. C'est la même chose. Attendez. Tu dis, God so loved the world that yes. He sent his begotten son. C'est pas ça? Oui. Ah, begotten en français, c'est quoi? C'est engendré. Est-ce qu'il y a le mot engendré ici? Lorsqu'on dit unique, ça veut dire quoi? Unique veut dire engendré. Lorsqu'on dit unique, veut dire engendré. Je te pose la question. Est-ce que unique veut dire engendré? Et c'est pour cela que la Bible, lorsqu'on parle de fils, pasteur, nous sommes pas là ici. Attendez. Attends. On ne va pas s'amuser ici. Hein. Moi, je te pose la question. Je te pose la question, est-ce que unique veut dire engendré? Oui, c'est ça. Ça veut dire engendré. Oui. Est-ce que moi, je vais te dire... Ça veut dire, puisque lorsqu'on parle du fils, le fils est comment? Il a dit au fils, tu dis qu'en français, le fils est toujours engendré. Est-ce que je vais discuter? Les gens là qui nous écoutent là, ils vont savoir la vérité. Si engendré veut dire unique, c'est fini, on va passer. Les gens qui nous écoutent là, ils sont intelligents. Ils sont déjà calculés ce que tu veux dire. Si c'est moi qui ai la raison, ou bien si c'est toi qui as raison, et ils connaissent déjà. On ne va pas rentrer dans ça. Donc, on dit que Dieu a envoyé Jésus. Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son fils. C'est Dieu qui a été envoyé. Pourquoi Dieu n'a pas dit, Dieu étant aimé le monde, il est venu de lui-même. Mais le Dieu là n'est pas venu, mais il a envoyé son fils. Or, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Dieu quelque part? C'est ça ma question. Tu as répété ce que je t'ai dit auparavant. Dans Osée, au chapitre 1, Dieu envoie Dieu pour sauver. Oui, Dieu a dit, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai? Oui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. Oui, mais Jésus-Christ est le fils de quel Dieu? C'est ce que je suis en train de te répondre. Oui, explique-moi, Jésus-Christ est le fils de quel Dieu? Jésus-Christ, il est le fils de Jéhovah. Lorsque Jéhovah prend la forme humaine, lorsqu'il se fait homme, on l'appelait Jésus-Christ. C'est alors qu'on a entendu Jésus-Christ pour la première fois être utilisé en rapport avec Dieu. Tu ne réponds pas à ma question. Hein. Attends, ma question. Hein. Il faut m'écouter bien. Écoute ma question. Oui. Très bien.
Si Dieu est passé par la naissance ici, on peut dire... Ah non, non, pas Dieu. Attendez. On n'a pas dit Dieu. Non, non, attends. Jésus-Christ est Dieu, non? Ah, mais il faut Jésus... Faire, il attendez, faut... attendez, je viens. Il faut faire attention au terme. Mon frère, tu dis que Jésus-Christ est Dieu, non? Il faut faire attention au terme. Il faut m'écouter. Tu dis que Jésus-Christ est Dieu, non? Oui, tu as dit oui, Jésus-Christ est Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Dis Jésus, c'est le même. C'est toi qui as dit que Jésus-Christ est Dieu, non? Oui, oui. Oui, c'est fini. Je dis Jésus, oh, je dis Dieu. Oh. Pour toi, c'est la même personne, non? Oui, c'est la même personne. Mais pourquoi tu dis que je vais faire attention encore? Il faut écouter. Malembe, malembe. Tu as ajouté. Malembe. On n'ajoute pas. Okay, on n'ajoute pas. On n'ajoute okay, pas. On ne retranche pas. Je viens. Je dis. Ah. Oui, il faut écouter. Je dis, il ne faut pas être précis. Parce que toi, là, tu dis que la Bible est dans ton champ. La Bible n'est pas moi dans mon sang. Oui, mais il faut écouter. Vous avez dit, maintenant, Jésus-Christ est Dieu. On peut remplacer ça par ça. Quand je dis Dieu ou bien Jésus. Qui t'a dit de remplacer? C'est la même personne. Attends, attends. Qui t'a dit de remplacer? Non, je viens. Lorsque tu dis on peut remplacer, qui t'a dit de remplacer? Oui, je ne rentre pas dans ça. Ma question est quoi? Il faut écouter bien. Ma question est quoi? Tu dis Jésus-Christ est Dieu. Hein? J'ai noté ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. J'ai noté ça. J'ai noté ici Jésus-Christ est Dieu. J'ai déjà noté. Moi, je dis maintenant, Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Oui. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème, on va partir. Donc, Dieu là a un fils. Est-ce que Jésus-Christ a un fils? Non. Jésus-Christ est Dieu. Dieu a un fils. Mais Jésus-Christ n'a pas de fils. Pourquoi? Et c'est pour cela que je t'ai dit ceci. Jésus, lui, lorsqu'on parle du fils unique, le fils unique, si de dis, qui? Jésus a un fils unique. Jésus n'a pas de fils unique. Voilà. D'où vient nous sommes ses enfants. Il y a donc ses filles et ses fils ensemble. Nous sommes voilà. Les fils de Jésus-Christ. Je comprends. Nous sommes le fils de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ aussi est ensemble. Le fils de Dieu, non? Oui. Jésus-Christ est le fils de Dieu, non? Oui. Oui, mais Jésus-Christ, lui, il n'a pas de fils, c'est pas ça? Non, nous sommes ses enfants. Non, je comprends. Voilà, mais le père de Jésus, maintenant, c'est Dieu, non? Mon frère. Donc, tu poses le père de Jésus, question, c'est qui? Tu vas me poser combien de fois? Mais attendez, le père de Jésus, c'est qui? Je pose une question combien de fois? Je viens, je vais te poser, même si 1000 fois. Nous sommes là ici pour clarifier. Ah pardon, je ne peux pas t'effacer. Jésus-Christ, il faut m'écouter. Tu poses une question et puis tu passes. Je viens, il faut écouter. Maintenant, Jésus-Christ là, est le fils de Dieu, non? Oui ou non? Quoi ça? Jésus-Christ est le fils de Dieu, non? Oh, tu me réponds à la question. Oui, je te dis. Tu dis Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais Jésus-Christ est le fils de Dieu encore. Il faut expliquer. Je t'ai déjà répondu là-dessus. Uh-huh. OK? Oui. Je t'ai déjà répondu. Tu vas poser une question 40 fois. Je te pose. C'est quoi okay, c'est ça viens. Les islamistes. Je viens. Donc Jésus-Christ est le Père, non? Donc, pose maintenant une autre question. Que tu ouais, je viens. OK, je viens. Jésus-Christ lui-même, il est le Père. C'est pas ça? Oui. Jésus-Christ est l'Esprit. C'est pas ça? Oui. Donc, Jésus-Christ, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est ça, non? Oui. Maintenant, il n'y a pas de problème. Et il est aussi l'agneau de Dieu, pour de compliquer vie, encore ton cerveau. Il est de aussi vie. Agneau. De qui? Ah, l'agneau de Dieu. Tu vas me poser, comment est-ce qu'un agneau peut faire ça? Hein? Je viens, il ne faut pas t'enfêter, je viens. Chaque attends. Chose est à sa place. Jésus-Christ est le Père, il faut attendre. Tu dis Jésus-Christ est le Père. Je t'ajoute encore, attends, Jésus est aussi le lion. Jésus-Christ est le Père, je comprends. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même. Oh, non, voilà, attends. Je viens, je te réponds. Ouais. Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est l'agneau, il est le lion.
Je viens. Je m'arrête à ce 5 là. Oui, même si tu veux, oui, oui. Attends, non. On vient petit à petit. On vient petit à petit. Tu vois, non? Oui. Jésus dit, je ne parle pas de moi-même. Dieu dit, je ne parle pas de moi-même. Mais selon ce que j'attends, c'est Jésus. Parce que selon toi, Jésus-Christ est dit. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Qui est envoyé? Il fait la volonté de qui? Remets mon écran. Je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Remets mon écran. Il fait la volonté de qui? Jésus fait la volonté de qui? Puisque l'écriture est très claire là-bas, on dit très bien que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Hein? C'est son Père qui l'a envoyé. Il fait la volonté de son Père. C'est son Père qui l'a envoyé. Oui. Mais toi, tu dis que Jésus-Christ est le Père, non? Mais c'est ce qu'il a dit ici. Je t'ai donné cette écoute. Attendez. Non. Là-bas, le verset l'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Attendez, c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est son Père qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui. Ouais, que Dieu a envoyé un autre Dieu, c'est pas ça? C'est une parabole. Non, attendez. Qu'est-ce qui est parabole? Mon Père m'a envoyé, toi tu dis que c'est parabole. Ça, c'est quelle parabole? Oui, c'est une parabole. Oui. Le verset que toi tu n'aimes pas, c'est parabole. Wait a minute. Dieu a envoyé Dieu, c'est pas ça? C'est pour cela qu'il faut que je puisse t'enseigner. Nous sommes. Attends, je te donne une écriture là. Il n'y a pas de problème. Dieu, très, très bien. Vous avez écouté. Dieu a envoyé Dieu. Jean 13, 34. On dit Matthieu 13, 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et dans Osée, l'Éternel dit, je vais envoyer l'Éternel pour sauver. Je vais le sauver par l'Éternel, leur Dieu. Dieu dit que je vais envoyer Dieu pour le sauver. C'est une parabole. Alléluia! Pour toi, là, si Dieu dit qu'il va envoyer un autre Dieu, là, pour toi, là, toujours, c'est une parabole. Toujours, Dieu n'est pas deux, il n'y a pas trois. C'est pas ça? Moi je vais te dire. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Oui, mais dans le Coran, il y a plusieurs dieux. C'est pour cela qu'Allah parle au pluriel. Il dit nous, Allah, nous, puisqu'ils sont nombreux. Aucun musulman ne peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'Allah parle au pluriel, nous. Non, je vais t'expliquer, non. Tu es, après, on va t'expliquer. Moi, je te pose la question. Est-ce que Pourquoi est-ce que Allah a parlé? Je vais venir. J'ai pris le note. Je prends le note ici. Je vais venir. Après, je vais venir. Je vais te poser la question, non? Est-ce que Dieu a parlé à Jésus? Oui. Dieu a parlé à Jésus? Oui. Est-ce que Jésus a parlé à Dieu? Oui. Donc, ils parlaient ensemble, non? Oui. Donc, Jésus connaît tout, non? Oui. Son Père aussi connaît tout, non? Oui. Jésus connaît que son Père existe, non? Oh, mon frère. Non, tu viens. Tu dis oui, je t'aime. Tu peux poser des questions d'une manière cavalière, là. Je te pose une question. Pourquoi est-ce qu'Allah dit nous? Je viens. Tu ne sauras pas expliquer toi. Mon frère, si tu ne sais pas, il faut attendre d'abord. Je vais bien. Tu vas me comprendre d'abord. Après, tu vas me poser ta question. Moi, je te dis, toi, tu dis que Dieu a parlé à Jésus, Jésus parlait à Dieu. Hein? Tu dis que Jésus maintenant connaît que son Père existe, son Père aussi connaît que Jésus existe. C'est pas ça. Jésus connaît tout, son Père connaît tout. C'est pas ça. Il parle entre eux. Donc, si les deux là parlent entre eux, comment ça peut se faire que c'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu? Oui. Oui. Il faut parler. Parce que les deux parlent entre eux. Et puis l'autre peut envoyer l'autre. Le père peut dire, fils, je t'envoie. Oui, Jésus est venu ici, il est mort, non? Mais maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est son père. C'est un autre Dieu qui l'a envoyé. Jésus dit que tu ne peux pas être plus grand, plus que celui qui t'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus là,
est plus grand, plus que Jésus. C'est ça que nous cherchons. Donc, il faut accepter que vous venez de confirmer ici que Dieu est deux, pas un. Mais en refusant deux là, tu vas te coigner, tu vas dire seulement Dieu est un. Mais vous avez confirmé ici que Jésus-Christ est Dieu, son Père est Dieu. Ça, ça fait deux dieux. Il faut accepter. Oh. Je répète encore cette épreuve d'Osée. Osée chapitre 1, on dit, je le sauverai par l'Éternel. Dieu sauve toujours par l'Éternel. Et je t'ajoute encore, pour ajouter cerise sur gâteau, remets mon écran, puisque j'utilise ça pour l'enseignement, enseigner les musulmans une fois pour toutes, le faire quitter de la torpeur de l'islam. Nous sommes frère, dans Malachie. On va rester dans Malachie. Tu nous as dit Dieu Malachie. A dit nous. Attendez, attends. Je vais t'expliquer. Tu as dit non. Tu vas y arriver. Attendez, je termine cette écriture. Okay. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est Jean-Baptiste, le messager. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Ça, c'est Dieu qui dit que Dieu va entrer dans le temple. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est Dieu qui dit que moi, je veux venir. Et je veux venir comme un messager de l'alliance. Le messager de l'alliance ici. Oui, c'est ça que je t'ai dit, je comprends. Le Nouveau Testament, le Dieu dit qu'il va venir. Mais selon l'Ancien Testament, il faut m'écouter. L'Ancien Testament dit que Dieu va venir, c'est clair. Mais selon le Nouveau Testament, Dieu n'est pas venu. Il a envoyé son Fils. Il n'est pas venu. Dieu n'est pas venu. Donc Dieu a promis et puis il n'est pas venu. Mon frère, ce que nous allons dire, il faut ouvrir le truc là, mon Jean. Dans la Bible, ouvre-moi Jean 17, pardon. Ok, on va y aller. Nous allons partir dans Jean au chapitre 17, mm-hmm. au verset 3, le verset que le musulman donne chaque année. Mm-hmm. Jean 17, au verset 3. C'est Bible que nous utilisons. Ceux qui te connaissent, toi, le ciel. J'ai dit, ouais. Au verset 3. Pardon, il faut prendre au sérieux. J'ai dit Jean 17, 3. Oui, ok. On va lire le verset 3. Pour la bonne lecture, pour la musique. Vous êtes dans Jean chapitre 3, non? J'ai dit Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Seigneur, le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle. On doit commencer à partir du premier verset pour la musicalité. Mmh. Jean au chapitre 17, à partir du verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. On parle à Dieu en levant les yeux au ciel. Tu peux parler à Dieu en levant les yeux au ciel. Et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Voilà, qui a Jésus glorifie le Père. Fils ici, c'est Jésus, non? C'est Jésus. Et le Père glorifie Jésus. Les deux se glorifient. Oui, attendez. Toi, tu dis que le Père, c'est Jésus, non? Oui. Mais le Père a glorifié Jésus. Et puis Jésus est le Père. Le verset 2 est encore plus explicite. Il dit ceci. Non, je te pose la question. C'est pas fini. Tu dis que le Père a glorifié Jésus. Jésus aussi glorifiait le Père. C'est pas ça? Ah, oui, c'est ça. Donc, Jésus est le Père. Jésus est le Fils. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème, mon frère. Le verset 2 est encore explicite. Il dit ceci. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Lorsqu'on dit toute chair, ça veut dire toute l'humanité. Toute l'humanité. Celui qui a la chair, Jésus a le pouvoir sur lui. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Pourquoi tu n'expliques pas ça? Il faut lire ça, tu expliques. Afin que Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux que le Père, tu as donné à Jésus. Donc c'est le Père a donné à Jésus, non? Oui, c'était qui? Mais Jésus ne donne rien au Père, mais c'est à sa fois c'est le Père qui lui donne, non?
C'est ce que l'Écriture dit. Mais tu dis encore, Jésus est le Père. Oui, il est le Père. Il est le Fils. Oui. Maintenant, là, le Père donne au Fils. C'est Jésus est le Père, il est le Fils, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une contradiction pour toi? Ce n'est pas une contradiction. Et c'est pour cela que je t'ai dit que Jésus parle en parabole. Non, il faut continuer. Maintenant, la Jean 3, lis 3, c'est bon. Les gens, ils ont déjà compris ça. 3 maintenant. Alléluia. Hein? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ils doivent connaître qui est Dieu et celui que tu as envoyé. Ils doivent aussi connaître Jésus-Christ qui a été envoyé. Celui qui a attendu, il ne faut pas partir, c'est ça ton problème. Mon frère, je suis là. Non, il faut te retourner, pardon, il ne faut pas partir. Moi, je n'aime pas le jus là, pardon. Tu fais quoi? Tu as dit Jean 17, 3. C'est Jean 17, 3. Oui, Jean 17, 3. Nous allons écouter. Écoutons. Attends. Je suis en train de chercher l'autre là. Oh my God, la Bible. Oh my God, c'est pas ça. Voilà. Jean 17, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, c'est qu'ils te connaissent, vous. Voilà. Il y a un verset qui dit ici, vous. Oh my God. Oui. La Bible a beaucoup de problèmes. Hein. Attends, prenons. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Qui est le seul vrai Dieu? C'est son Père. Voilà. C'est le Père a envoyé qui? Il a envoyé le Fils qui est Jésus-Christ. Voilà, donc celui qui a été envoyé, son nom c'est Jésus-Christ, non? Oh, oui, lorsque voilà. Dieu vient sur la terre, c'est pour cela que je reviens toujours à cette écriture de Osée. Attends, ce n'est pas fini. On a vu déjà que attendez. Ils les sont par leur Dieu. Il a envoyé leur Dieu et c'est ce Dieu ici, Jésus. Voilà, il faut partir, je vais t'expliquer. Le verset là, non? Dans la Bible, on voit déjà qu'il y a beaucoup de dieux. Mais le seul vrai Dieu là, c'est un seul. C'est-à-dire, même s'il y a 1 million de dieux, Jésus nous enseigne ici, il dit qu'ici, oh, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse toi. Le seul vrai Dieu. C'est les chrétiens. Il y a un seul vrai Dieu. Les autres peuvent être Dieu, mais ce ne sont pas le seul vrai Dieu. C'est le faux Dieu. Mais le vrai Dieu là, il est un seul, selon la parole de Jésus ici. Donc le vrai Dieu là a envoyé qui? Il a envoyé Jésus. C'est comme nous les musulmans disent, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire, on dit par exemple que I bear witness there is not God but Allah, and I bear witness that Muhammad is his messenger. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Et Muhammad, et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà ce que là, il a là, ça veut dire je témoigne. Attendez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire quoi? Vous parlez l'arabe? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Et qui témoigne? Et qui témoigne comme ça? Attendez, qui? Nous les musulmans on témoigne. C'est-à-dire si Dieu nous parle, il faut écouter. Maintenant, pourquoi est-ce que Allah témoigne aussi que il a bla bla bla. Pourquoi est-ce que Allah témoigne aussi? Il n'a pas quoi. Tu vois? Je vais t'expliquer ça. Sourate 3. Attends, mon frère, tu m'as posé la question, non? Allah nous le voit. Attendez, à chaque fois je parle avec toi, je vois déjà que tu descends. Allah témoigne. Allah témoigne aussi. Et les anges, les doués des sciences, qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Donc, Allah témoigne chez qui? C'est lui. Il est au témoin qu'il n'y a pas d'autre Dieu, c'est lui seul. Ou bien il n'est pas au témoin. Maintenant, il atteste devant qui? Non, je t'ai dit la vérité. Ce que je t'ai dit là, tu n'as pas compris. Mon frère. Oui. La ilaha, blablabla. Non, ce n'est pas ça que nous avons parlé. Attendez, tu veux changer. Nous, les musulmans, le Coran a été fait. Par exemple, si nous prions, Allah nous dit, on dit Allah, Akbar, Dieu est grand. Mais maintenant là, normalement, ça devrait être écrit, je suis grand.
Mais si tu pries, tu dis, oh, je suis grand, tu parles de toi-même. So, Dieu a fait le Coran parce que nous, nous, on adorons Dieu, on récite le Coran dans notre prière pour qu'on comprenne. Le Coran a été révélé par ces façons-là. Ce n'est pas parce que la manière dont tu veux parler littéralement là, si on parle de ça, c'est-à-dire on est en train de parler de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas ça. Ou bien Dieu est en train de parler de lui-même. C'est-à-dire, si Dieu dit, je suis grand, si toi tu pries, tu dis, je suis grand. Le Coran n'a pas été fait ça. Dieu n'a pas fait comme ça. Il a fait le Coran pour qu'on puisse comprendre. Ce que moi, je te dis ici seulement, en retournant dans notre point, le pasteur, ce que je te dis seulement là, il faut partir dans Jean. Je te dis, le seul vrai Dieu, le vrai Dieu, pas faux Dieu, hein. Jésus dit, le vrai Dieu est un seul. Et puis, c'est le vrai Dieu là qu'il a envoyé. Oui, donc on a un seul vrai Dieu, Jésus déjà, le seul vrai Dieu l'a envoyé Jésus. Toi, tu dis que Jésus est Dieu. Pourquoi tu peux faire comme ça, pasteur? Moi, je vais t'aider. Hein. Ici, là, vous avez le temps. Tu vas m'aider? Attends, hein? Oui, oui. Ici, là, attends. Quelle audacité? Maintenant, là, attends, je vais te dire, avant de te dire. Maintenant, là, tu avais dit, attendez, vous avez dit pourquoi Dieu parle nous. Attendez, pourquoi Dieu dit nous? Je vais t'expliquer pourquoi Dieu dit nous. Je vais t'expliquer, non? Toi-même, tu es d'accord avec nous que Jésus-Christ a dit le seul vrai Dieu est un seul, le seul vrai Dieu. Donc, il y a un seul Dieu qui est vrai. Explique-moi nous. Attendez, je vais t'expliquer, non? Oui. Mais si tu te tais, je vais t'expliquer. Mais si je parle, tu parles. Comment je peux t'expliquer? Il faut écouter. Donc, si Dieu dit nous dans le Coran, dans la langue, chacun a son pronom que tu utilises pour t'adresser à les gens. Par exemple, en français, toi, tu es une personne. Si je vais te parler, je ne vais pas te tutoyer. Je vais te dire seulement vous. Mais si je prends ça là, je mets dans ma langue maternelle, c'est une erreur. Je ne peux pas dire vous dans ma langue. Donc, en français, ce n'est pas une erreur. Mais dans ma langue, c'est une erreur. Jamais tu peux t'adresser à quelqu'un au pluriel, ou puis c'est une personne. Ça, c'est la langue française. En arabe aussi, c'est raison pour laquelle tu ne verras jamais, même un chrétien arabe qui va critiquer ça. Parce qu'il connaît le grammaire de sa langue. Tu peux parler, tu peux te respecter. Si tu parles là, tu dis, nous allons faire ça. Si tu dis nous, cela ne dit pas forcément que vous êtes beaucoup. Par exemple, Dieu dit dans la Bible, faisons l'homme à notre image. Si Dieu est un là, pourquoi il dit notre image un? Et puis, Dieu dit dans la Bible, descendons, let us go down. Parce que tout le monde parlait de la même langue. Donc, il y avait la division. Dieu dit que non, tout est possible là. Et selon votre Bible, Dieu lui-même il dit qu'au pluriel, descendons. Donc, ils vont descendre. Ils parlent avec qui? Qui vont descendre? Pour faire quoi? Mon frère. Je viens. Donne-moi dans le Coran pour eux ce qu'Allah dit nous. Je comprends non. La partie là. Moi, je peux appeler quelqu'un. Tu n'es pas là. Je peux appeler quelqu'un. Attends, je peux appeler quelqu'un, vous. Oui, pourquoi est-ce qu'Allah dit nous, s'il est seul? Je te dis, je vais te dire quelque chose. Si un policier, par exemple, ici, le chef de policier te dit, je vais t'arrêter. Je là d'abord, c'est au pluriel. Toi, tu sais que lui, ce n'est pas lui seul, I will arrest you. Il dit, I. Oui, mais I là, même c'est I, mais c'est au pluriel. Parce qu'il est avec son équipe qui vont venir t'arrêter. Ce n'est pas une personne qui va venir. L'arabe, c'est la raison pour laquelle en arabe, il dit, l'arabe là, ils sont ça, il dit que nous, c'est le royal, nous. C'est-à-dire, Dieu utilise, il dit, nous allons faire ça. Cela ne dit pas que peut-être ils sont 10, ils sont 15. Non, ça c'est le grammaire des arabes. C'est leur grammaire, c'est comme ça. C'est fini. Mon frère, oui. Ton explication là, si un policier dit je t'arrête ou bien nous t'arrêtons, ils sont nombreux. Non, si mais il dit Allah, oui. Attendez. Si, non. Si un policier te dit, je vais t'arrêter là. J'ai là, c'est au pluriel, non? C'est singulier, mais c'est le pluriel quand même. Attendez, c'est pas ça.
selon ce que toi tu dis. Non, 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 tout le monde connaît ça, non? Si ici, si un policier arrête Judas, ici, c'est singulier, mais c'est le pluriel. On comprend ça, c'est le pluriel, parce qu'il n'est pas seul. Maintenant, pourquoi est-ce que Allah dit nous? Je viens, ça c'est fini, ça c'est bien. Je dis, Allah dit nous. Dans le domaine des humains, nous pouvons utiliser. Oui. Mais si Allah est seul, il est seul. Si lui a créé l'homme, il a créé l'univers lui seul, il doit dire « j'ai créé ». Ok, je vais t'expliquer. Mais si nous avons créé, donc il y a quelqu'un… Oui, parfois, il utilise « j'ai », parfois, je vais t'expliquer. Moi, je peux comprendre. Il faut m'écouter. Est-ce que… Je vais t'expliquer. Maintenant là, est-ce que tu es d'accord en te parlant que je te dis « vous » Tu es d'accord? Oui, voilà. Je suis d'accord. Comme si tu es d'accord là, maintenant, tu es une personne… Je parle avec toi en pluriel, par exemple. Maintenant, est-ce que si moi aussi je parle, je dis non, nous allons partir, c'est toi. Il faut être d'accord encore que je peux me respecter moi. Avant de te respecter, toi, tu dis vous. Si je dis tu, je ne t'ai pas respecté. Mais maintenant, si moi-même je vais me respecter, je peux me dire encore nous. C'est-à-dire que nous allons partir, c'est toi, mais je parle de moi-même. S'il y a une langue, attendez, en français là, ce n'est pas comme ça. Mais s'il y a une autre langue qui parle comme ça, là, why you complain for that? You shouldn't complain mon for frère, that. Non, mon frère, c'est là que oui? L'islam a échoué. L'islam a échoué là. Si Dieu, si moi je viens chez toi, je ne dirais pas que nous viendrons chez toi. Non, non, toi tu parles une autre. Toi tu t'entends de parler une autre grammaire, non? Mon frère. Moi je dis que la grammaire des gens, tu ne peux pas faire parce que ce n'est pas ta langue. Et comment je peux prendre le grammaire français pour appliquer à ma langue? Ça ne peut pas marcher, mon frère. Ça ne peut pas marcher. À chaque langue, à son grammaire, ou bien dire à quoi? À chaque grammaire, à ça. Oui. Grammaire français, si, c'est différent de grammaire arabe. Attendez. Grammaire arabe. Moi, je comprends. Grammaire arabe, c'est différent de grammaire africain. Mais comment toi, tu peux prendre le grammaire d'une autre langue, tu appliques ça là? À une langue, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ces grammaires-là. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est d'abord mon écran. Donne-moi mon écran. Non, non, ce que nous allons faire, il faut laisser tout ça d'abord. On vient. Dans le Coran, chapitre 1. Attendez, vous êtes très malin. Vous êtes très malin. Il faut être d'accord que le seul vrai Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a été envoyé. Il n'est pas envoyé. Attends. Vous êtes d'accord? Allah, lui, Allah, ils sont nombreux. Sourate 21. On va à la sourate 21. Donne-moi mon écran. Je te pose une question. Alléluia. Sourate 21, verset 17. Allah dit, si nous avions voulu prendre une distraction, une femme, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. Allah dit, si nous avions voulu un amusement ou bien un divertissement, si nous avions voulu nous amuser, si Allah dit veut s'amuser, Allah dit ceci, même s'il cherche une femme, Allah dit que nous l'aurions prise de nous-mêmes. Allah dit, si j'ai besoin d'une femme, je vais la prendre de nous-mêmes. Le nous-mêmes, là, c'est qui? Attendez, ce qui est écrit ici, si nous voulions, si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes. Attends. Tiens, tu dis que Allah va. Le verset là, c'est-à-dire Allah va prendre femme. Oui, oui. C'est Allah qui dit que si nous avions voulu une femme pour la distraction ici. Où c'est écrit femme? Où c'est écrit femme? Le mot arabe de distraction, c'est quoi? Attends, je vais faire sortir ça. Pardon, il faut m'excuser. Je vais faire sortir dans le Coran d'abord. Attends. Tu dis 21. Attendez, mon frère, à chaque fois que nous parlons, il ne fait que changer les sujets. Attends. Non. Est-ce que nous sommes là pour ça? Je suis le maître du Coran. Attendez. Moi, je t'ai dit, tu es partout. Nous sommes là pour parler. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Maintenant, tu veux pas que je rentre là-bas. Tu es partout. Je vais t'expliquer le verset là que vous avez dit, 21-17. Je suis le maître du Coran. Moi, j'aime. voilà. Hein.
Voilà la distraction là. Toi, tu dis que c'est femme. Comment tu peux être méchant comme ça? Il faut être honnête. Ou bien c'est comme ça qu'on vous enseigne à l'église. Je vais te montrer ce Mohamed qui a expliqué ça. Attendez. C'est Mohamed qui a expliqué ce verset. Attendez, le Coran là que tu as fait sortir. Attendez, je vais te montrer. Le mot distraction en arabe, c'est quoi? On a dit là-haut. Attendez, étonnamment, ce que le Coran dit, est-ce que le Coran a parlé des femmes ici, si Allah voulait prendre une femme? Okay. Si Allah voulait prendre une femme, oui. Est-ce que c'est ça que le Coran a dit? Non, attends. Oui, c'est ça. C'est le mot arabe. Pourquoi tu... Attends, mon frère. Mais pourquoi toi, tu mens comme ça? Attends, mon frère. Tu as vu le verset clair en français? C'est clair en français. Tu veux transformer ça. Mon frère, pourquoi vous êtes comme ça? Mon frère, il faut me prouver que j'ai tort. Moi, je te donne maintenant le mot arabe. Quel puisque arabe? Tu as lu en français. Mon frère, tu as lu en français. Je n'ai dit que tu vas me dire ça. Tu parles l'arabe? Attendez, tu parles l'arabe? Non, tu parles l'arabe. Non, réponds-moi, tu parles l'arabe? Oui. Et toi, tu parles l'arabe? Oui. Maintenant, donne-moi mon écran. Je te prouve que le mot là-bas, distraction, c'est une femme. Alors, attendez, moi, je vais te dire. Attendez, moi, je vais te dire. Tu vois, non, ce que j'ai été dit, voilà tous les hadiths là que toi, tu as dans l'Internet. Là. Non, c'est bien. Nous, on ne croit pas. Tout le monde peut écrire le Coran pour mettre dans l'Internet. Tout le monde peut écrire hadith pour mettre dans l'Internet. Les chrétiens peuvent écrire hadith là pour mettre dans l'Internet. Pour les musulmans, pour nous faire croire que c'est l'hadith qui parle. L'Internet là, on n'a pas de contrôle. Normalement, le Coran là, c'est le papier là que moi je crois. Hein. Tous les Corans qui se trouvent dans l'Internet là, si je connais le website, ça là, le website là, c'est pour un musulman. Vraiment, c'est les organisations de l'islam de tel pays là. Que je regarde. Hein. Sinon, le Coran là, là où c'est publié, le Coran qui est en arabe, voilà, ici, là où c'est publié, le nom de l'imprimerie, le numéro de téléphone, ça est là-bas. Oui, ça. Mais tous les trucs, les hadiths là, que tu vas me montrer dans l'Internet, moi, je ne crois pas. Il faut un papier comme ça. Il faut que je connaisse quelle imprimerie a imprimé ça. Oui. Il ne faut pas partir dans les. Prendre les trucs là que vous-même vous avez fait pour écrire dans l'Internet. Si un musulman veut parler comme ça, vous rentrez dans votre adresse là-bas comme tu t'entends de faire. Non, moi je ne fais pas le jeu là. Hein. C'est la raison pour laquelle le Coran que j'ai dans ma main, là, voilà. Est-ce que j'ai regardé mon Coran ici, qui est dans ma main, je connais là où ça a été publié, en Arabie Saoudite, il y a les numéros, tout, je crois en ça. Est-ce que il y a la femme, Dieu a mentionné femme là-bas, là? Il faut être honnête. Oui, Dieu a mentionné femme. Je te prouve ça tout de suite. Ouvre mon écran, je te prouve ça. On n'est pas là pour ça, il n'y a pas de problème. Ouvre mon écran. Non. Toi, tu vas prouver comment? Ouvre mon écran. Il faut Alléluia. Prouver. Sourate 21, verset 17. Mm. Allah dit ceci. Had we intended to take a pastime? A wife or a son. En français, c'est décrit là. Allah dit, si vous avez l'intention de prendre un passe-temps, c'est-à-dire une femme ou un fils. Attendez, c'est décrit dans votre Coran. Oui, attendez, je vais venir. Tu veux que je parle? Il faut faire sortir. Non, ce n'est pas interrompu. Il faut faire sortir ça. Non, tu sais, mon frère, ce n'est pas bon de faire l'écran avec toi. Because you are playing a big game. I hate that. Ah. Oui. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Si tu fais sortir l'écran, on veut parler, tu quittes là-bas, tu vas aller quelque part. Désormais, on va parler comme ça. Est-ce que depuis que j'ai commencé ici, là, j'ai fait sortir le Coran sur ça, ici, live? Je n'ai pas fait ça. Oui. Oui, mais you are playing game. Tous les versets là qui dit, la fois passée, moi, je t'ai dit, parenthèse là, déjà, attendez, le parenthèse là, c'est que je t'ai dit, le parenthèse là, attendez, le parenthèse là que tu as dit là, toi tu penses que c'est toi seul qui a, le Coran même que tu as fait sortir là. Allah dit qu'il va chercher une femme, c'est écrit dans le Coran, mais vous avez dit distraction. Qui va chercher une femme?
C'est Allah, c'est votre Coran. C'est votre Coran. Il dit, c'est votre Coran. Là où il veut que le vidéo la reste là-bas. Après, il va aller dire à les chrétiens, le Coran dit que Allah va cesser une femme s'il veut faire ça. Mais oh, est-ce que moi qui écris ça? C'est votre... Tu caches maintenant? Le Coran, la quête, vous avez montré là. Ça, c'est votre Coran. Oui, ça, c'est pour les chrétiens. Ça, c'est la tradition des chrétiens. Oui, c'est un faux Coran. Oui. Oh! Un faux Coran. Qu'est-ce que tu as fait sortir là? Vous allez faire votre tradition, tu vas venir ici pour nous parler, quoi. Il dit non. Et puis, je te dis la fois passée, je te dis, parenthèse là, ce n'est pas le Coran. À chaque fois, je te dis, non, c'est le Coran. Si tu vois toutes les paroles que tu vois dans parenthèse là, ce n'est pas coranique. Toi, tu vas voir un verset qui se trouve aux parenthèses, tu dis, non, c'est le Coran. La Bible, que tu sois musulman, ou bien juif, ou bien chrétien, tout le monde connaît que la parole qui se trouve en parenthèse n'est pas dans le texte. C'est l'écrivain qui a écrit ça. Toi, tu vas aller voir la parole de quelqu'un. Oh, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Comment ça? Mon frère, quand même, il faut que nous soyons honnêtes. C'est ça qu'on t'a appris à l'église, que le Coran a dit ça. Non. Je vais te faire montrer. Parce que nous là, oui, attendez, même si dans notre langue, attendez, ici, attends, je vais regarder 21-17, voilà. Voilà, ok, attends, ça même c'est, où est le Coran là? Ça c'est petit, attends, je vais faire, oh my God, je vais regarder le téléphone bien, attends. Je suis le maître du Coran. Nintounye, tolona dana, n'tere wola dana n'jere badali. Na antunye wo kebadi kani. Nentunye tolona dana. Ntere wo la dana ngere brali. Nantere wo kebadi. Msoko kuma yemba. Si j'ai voulu faire l'aménagement, j'allais faire ça, c'est moi. Attendez, j'allais faire ça, c'est moi. Mais nous, on ne fait pas ça. Dieu dit, il ne fait pas ça. C'est quelle langue ça? L'aménagement, c'est quoi? C'est du là. Ça, c'est du là. Ah, oui, okay. Comment ça fait qu'il parle? Oui, oh. S'il a voulu faire amusement, les guitares, les balafons pour taper, il dit, j'allais faire ça là-bas. Le mot amusement. En arabe, c'est quoi, amusement? Okay. Amusement, tu dis en arabe, c'est quoi? Moi, je t'ai dit, toi, depuis qu'on t'entend de faire le débat avec toi ici, toi, tu ne sais pas que moi, je ne parle pas l'arabe. Ah. Moi, je n'aime pas ça. Il faut que tu sois honnête. Attends, non. Je t'ai déjà dit que je ne parle pas l'arabe. Ah. Mais, à chaque fois, comment on dit ça en arabe? On dirait que tu ne me comprends pas. Version qui a écrit ici, c'est bon. Les gens là qui nous écoutent, même si je vais là, je vais appeler quelqu'un ici. Tu veux que je parle quelqu'un qui va t'expliquer en arabe? Il va t'expliquer. Même s'il va te parler, toi, tu ne parles pas l'arabe. Tu ne parles pas! Mais comment tu sauras? Attendez. Moi là, voilà pourquoi je te prends dans votre Bible. Il est écrit « Be born again ». Il faut être né de nouveau. Mais en grec, ce n'est pas comme ça. Mais moi, je ne vais pas aller là-bas, venir avec toi pour dire en grec, c'est quoi? Moi, ce qui est écrit ici, c'est ça que je te prends pour t'attaquer. Oui, une fois que tu m'avais déjà dit que non, en hébreu, c'est comme ça. Sinon, il y a beaucoup de versets qui se trouvent en hébreu. C'est quelle version de Coran? Moi, je dis, voilà, Saïd International, que je lis. Ah! Oui, Saïd International. Que je lis? C'est un faux Coran. Il dit un faux Coran. Le mot au Coran utilisé en arabe, c'est Lawan. Lawan, qui veut dire une femme. Allah dit que si je cherche une femme, je vais la prendre de chez nous. C'est ça, non? Oui, c'est ce qu'Allah dit. Ok, attends, je vais appeler maintenant Dubaï. Ils vont t'expliquer. Attends, comme le monsieur là parle français, attends. Ne perds pas ton temps. Il faut attendre. Moi, j'ai beaucoup de numéros ici. Je peux appeler Saudi Arabia. Tu vas attendre. Ils vont te prouver que tu es menteur. Ok. Oui, il faut attendre. Ça, c'est le maître du Coran. Celui qui veut faire fuir tous les musulmans de l'Afrique. Personne ne peut expliquer ce verset ici. Le maître parle. Allô? Attends, voilà, il va prendre. Allô?
Allô, Alassane? Hop, il va m'appeler, attends. Il faut attendre, il va m'appeler. Voilà ici. Allô? Allô, Alassane? Ouais. Pardon, je suis en train de faire le débat avec un chrétien ici. Voilà, nous sommes dans le surah des prophètes, de surah Al-Anbiya. Oui. Le verset 17, tu vois, non? Le verset 17, on dit qu'on entre y tolona dana, qu'on entre ou la dana en kerebrale, n'entre y ou kebadi. Tu connais le verset là, non? Oui. Voilà, pardon, il faut lire ça en arabe. Le pasteur dit que le mot arabe qui est écrit là-bas, que c'est écrit que Dieu dit, que Allah dit que s'il a voulu prendre une femme, il allait prendre cette femme-là sur lui là-bas. Comment le verset a dit en arabe? Et puis tu vas expliquer. Pardon, le pasteur nous écoute. Okay. En arabe d'abord. Mais, en arabe. Okay. Lis le verset en arabe d'abord. Lui, il a mémorisé le Coran. Toi, tu n'as pas mémorisé la Bible. Tu es là, vous avez dit que la Bible est dans votre sang. Voilà le monsieur là. Il a mémorisé tout le Coran. Il faut parler encore. C'est faux, il t'a menti. Il n'a pas mémorisé. Attends, le verset là d'abord. Oui, Alassane, c'est écrit comment? Il a mémorisé. Je vais lui demander d'abord est-ce qu'il maîtrise le Coran en arabe. Parce que ce n'est pas important de lire le Coran arabe et pourtant qu'il ne maîtrise pas, il ne comprend pas. Donc, c'est ça le problème. C'est voilà. Toi-même, tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Je suis le maître du Coran. Non, maître. Mais tu as parlé l'arabe, non? Tu dis quel mot en arabe qui était mentionné là-bas? Dis encore. Je vais voir si tu peux. Lauran. Lauran, c'est-à-dire femme? Nous nous sommes pliés au compte des traditions du sens du Coran. C'est pas à ce niveau maintenant là, parce que lui il veut se référer à l'origine, ce qui est écrit en arabe. Donc ça sous-entend qu'il comprend très bien ce qui est écrit en arabe. Donc c'est pourquoi je lui demande est-ce qu'il lire. Mon frère, est-ce que tu peux lire l'arabe? Pour qu'est-ce qui t'a poussé de dire que Dieu Allah parle une femme, que c'est une femme qu'Allah parlait? Qu'est-ce qui t'a poussé de dire ça? Ce qui m'a poussé à... Puisque c'est Mohamed qui a expliqué ce verset. Qui peut expliquer ce verset mieux entre toi et moi et le monsieur là, à la scène? Tu n'as pas compris. Ce que moi, je t'ai dit, toi, tu es dit dans le Coran. Maintenant, on regarde le Coran. Tu veux lui faire sortir dans le Coran? Tu veux nous envoyer quelque part encore? On va rester dans le Coran? Ça, c'est quoi? Dans le Coran, on a écrit « femme ». Tu as vu ça? Quel mot en arabe dit ça? Quel mot que Allah a utilisé? On va passer. Parce que là-bas, il y a des choses qui confondent. Lorsque Allah parlait sur ce verset, le verset qui se précède avant ce qu'il est en train de dire comme ça là, Allah a dit وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَبَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Donc, il n'a pas créé le ciel et la terre. Et ce qui est entre les deux là, pour blâmable. On se comprend? Maintenant, le verset en question maintenant, il dit, là où aradna an natakhida lahwan, le Saint-Esprit qui parle. Voilà, s'il veut prendre blâmable en soi, pour lui-même, il allait faire quoi? Qu'il allait créer ça là proprement, ça allait être aussi une recommandation divine pour nous dire voilà ce que vous allez faire comme blâmable. Mais ça n'existe pas. C'est pas le sens de la création du ciel et la terre pour blâmable. C'est ça qui est dit en un mot. Le sens. Voilà, il dit que nous... Voilà. Une femme. Donc, c'est pourquoi je lui ai demandé si réellement
il connaît l'arabe, il n'a qu'à nous montrer, parce que ce qui est écrit là, ça, qui, en tout cas, moi, j'ai bien de le lire, à n'importe qui dans le monde, tu le montres, musulman ou non musulman qui sait lire, c'est ça qui va te lire. Donc, je ne sais pas. Merci, merci beaucoup Alassane. Voilà, merci. Pasteur, voilà, mon imam est là. N'importe quel sourat dans le Coran que tu veux qu'il n'a qu'à réciter, tu dis, il va réciter. Mais moi, je vais ouvrir la Bible. Toi, si tu vas réciter un chapitre dans la Bible, si tu peux faire ça. Le Saint-Esprit, s'il y a le Saint-Esprit, tu veux dire quoi? Entre quoi? Remets mon écran d'abord. Remets d'abord mon écran. On va voir mon écran. Regarde, remets mon écran. Tu veux dire, c'est que moi j'ai là, j'ai. Alassane, où tu es comme remets mon écran, mon frère. Tu peux rentrer? Oui. Ok, il faut rentrer, pardon. Maintenant, tu veux rentrer. Je t'ai envoyé le. Remets mon écran, mon frère. Tu vas sentir aujourd'hui. Non, ici, tu vois le Coran là, pour vous, Jésus est Dieu. Pour vous, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Remets mon écran, mon frère. On va lire quoi? Mais toi, tu disais le mot de femme là en arabe. Et puis le monsieur là est venu. Il fallait dire, voilà, pour dire en arabe aux femmes, si c'est femme là, si c'est le mot femme, tu veux dire quoi? Lui, c'est un djoula qui t'explique arabe. Maintenant, on va voir les arabes eux-mêmes, ils expliquent toi, tu n'es pas congolais, tu n'expliques pas français. Est-ce qu'il n'y a pas un professeur, congolais, mais professeur français en France? Oui, mon frère. Il y a les Congolais qui peut faire asseoir les Français là pour les apprendre. On va vérifier le mot là. On va vérifier. Mon écran est là. Alléluia. Alors, oui, Alassane, oui. Tu es là. Il faut écouter. Il dit que c'est la femme. Attends. Comme toi, tu m'as dit. Merci. Sourate 21, verset 17, on nous dit si Allah veut prendre une wife. En français, j'ai mis ça en français. Il dit si nous avions l'intention de prendre un passe-temps, Sourate 21, 17, c'est-à-dire, lorsqu'on dit c'est-à-dire une femme ou un fils, et j'ai maintenant le tafsir. Et mon frère, reviens ici. Souare, c'est pour toi. Souare, viens. On va attendre. Mais allez-y. Oui, il ne faut pas qu'il puisse rater cette portion ici. Allez-y, je vous écoute. Puisque nous étions en train de discuter avec lui. Lui a dit qu'il va me poser des questions sur la divinité de Jésus. Maintenant, comme je suis spécialiste, je lui ai dit ceci, que moi, je vais prendre aussi la divinité d'Allah en exergue. Je vais prendre ça et balancer ça, mettre ça sur la balance, comme l'ange là qui était venu dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit qu'il avait une balance dans sa main. J'ai commencé à balancer Allah. C'est ce que je fais bien. Et je lui ai posé pourquoi est-ce qu'Allah dit « nous ». Il a dit « nous », c'est « royal », royal, plural. Les Français disent « plural » des magistrats. Il faut laisser « nous » là, on n'est pas là-bas. Soare, je t'attendais. Alors, j'étais en train de te montrer, Sourate 21, 17, si nous avions l'intention de prendre un passe-temps, c'est-à-dire une femme ou un fils, et puis maintenant, on va voir les tafsirs. Attends une minute. Toi, tu ne parles pas l'arabe. Celui qui parle l'arabe, il faut attendre, il n'a qu'à t'expliquer. Donne-moi une minute. Mon pasteur, ne passe pas d'abord. Non, non, non. Si lui parle, il ne peut pas arrêter. S'il vous plaît. Lorsque vous avez lu ce verset-là, attends d'abord. Vous avez vu entre parenthèses. Ça te dit quoi en tant que au moins un intellectuel en grammaire ou en orthographe en français, quand on met une telle phrase entre parenthèses, ça veut dire quoi dans le texte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas l'origine. Donc c'est l'auteur qui est en train de faire sa part des choses pour insérer
dans le texte original. Donc, vous savez très bien ça. Ça, c'est pas le Coran, ça. C'est ça que vous voulez prendre comme le texte mais original. Attendez, du Coran. Même le tafsir là qui vient de rentrer, Ibn Kathir, il y en a ici. Pas, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. C'est ça que Ibn Kathir a dit. Laissez-moi lire le tafsir. Quel tafsir? C'est un faux tafsir. Le tafsir que tu as dit, Ibn Abbas. Ibn Kathir. Ibn qui? Ibn Abbas. Il a dit quoi? Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Il était Sahaba. Ibn Abbas a dit ceci. Alors, Allah révéla ce qui suit lorsqu'il dit que les anges sont les filles d'Allah. Si nous avions souhaité trouver un passe-temps, si nous souhaitions avoir des filles, et on dit que cela signifie si nous avions voulu avoir une femme. Allah dit que si nous avions voulu avoir une femme, cela signifie si nous avions voulu des enfants, nous les aurions trouvés parmi les jeunes filles. Il a le problème des frères. Pasteur, vous êtes fort, hein. Vous êtes fort. Vous vous permettez d'attribuer. Vous m'interrompez. Attention. Mon frère, ne m'interrompez pas. Vous m'avez interrompu. Mais attendez, mon pasteur. Ok, donnez-nous au moins le temps de. Voilà, d'expliquer. Celui qui est là, le Coran est dans son sang. Ce n'est pas toi, hein. Toi, tu n'as pas maîtrisé la Bible. Tu n'as pas mémorisé la Bible, rien. Celui qui est là, le Coran est dans son sang. Mettons même le Coran à part d'abord. Comme nous sommes dans la traduction approximative, donc il faut connaître d'abord ceux qui ont écrit, élaboré cette tradition-là. Ils ont mentionné noir sur blanc que c'est un sens approximatif. On est d'accord, ça c'est un. De deux, vous êtes là à dire que cela signifie entre parenthèses. Donc, vous attribuez cette insertion-là comme le texte original qui est dit dans le verset original. C'est ça qui ne va pas passer. Il faut dire aux gens que oui, c'est la personne qui a dit cela. Ça va être clair. Mais le texte original, moi, je viens de le dire tout de suite là. Ça n'a rien à voir de ce que tu es en train de le dire. Et de trois, cette traduction approximative là, c'est pas unanimité entre les musulmans. Donc, je crois que vous avez besoin d'apprendre. Abdullah, même tafsir qu'il a dit là, quand on dit si là déjà là, c'est quoi? Ni. C'est-à-dire, c'est optionnel. Ça peut être gauche, ça peut être droit. Voilà, il l'a mis au conditionnel. Si c'est bien à l'esprit, mon frère, il faut laisser au conditionnel. Ce que toi tu dis là, tu as perdu notre temps pour me dire. Vous m'avez interrompu. Oui, tu as perdu notre temps pour me dire. Ah oui, oui. Laissez-moi lire. Il faut savoir Ils ont dit ceci. Ils ont dit que Allah, remettez mon écran. Donnez-moi mon écran. Qui? Je dois lire mes versets. Attends. Oh, ok. Maintenant, ça c'était Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit que si je veux une femme, je vais prendre parmi les jeunes filles du paradis. Ça, c'est Allah qui dit ça. Maintenant, on va lire un autre. Où c'est écrit ça? Moi, je suis le. Où c'est écrit ça? Mais. Où? Écris quoi? C'est ce que vous avez dit là tout de suite là. Où c'est écrit? Où c'est mentionné? Allah dit ceci. Mais j'espère que vous connaissez très bien la différence entre tafsir et le courant proprement dit, non? Non, ce n'est pas ça même. Pasteur, ce que je vais faire, moi je vais être honnête pour toi, il faut écouter. Même ce que tu as dit, Ibn Abbas dit ça, moi je dis c'est faux. Tu es d'accord avec moi? Même ce que tu as dit, si... Il faut écouter. Attendez, il faut m'écouter. Ibn Abbas n'est pas mon prophète. Ibn Abbas n'est pas mon prophète. Où les tafsirs là, entre toi et Ibn Abbas. Attendez, je sais que c'est ça que là, qu'on t'a appris. Aujourd'hui, là, ce que je t'ai dit, nous, on comprend le Coran aujourd'hui plus qu'Ibn Abbas. La génération là. Pas moi, hein, mais la génération aujourd'hui. Tu ne connais pas ça. Toi, tu comprends le Coran plus qu'Ibn Abbas, toi. Non, hein? Je n'ai pas dit moi. Je n'ai pas dit moi. J'ai dit la génération là. Moi, je ne fais pas partie, hein. Mais la génération là, aujourd'hui là,
il comprend le Coran plus qu'Ibn Abbas. Aujourd'hui. Mais moi, je ne fais pas partie. Hein. C'est, si je dis que nous, aujourd'hui, là, je ne parle pas de moi. Hein. Je dis le musulman, tous les musulmans là, donc qui sont la maîtrise du Coran là. Et ils ont vu le livre de tout le monde. Ils sont déjà lits et ils ont leur analyse à côté. C'est-à-dire, ils peuvent même analyser le verset aujourd'hui plus que les anciens là. Ce n'est pas ça d'abord. Revenons encore dans Jean. On a trop duré là-bas. Partons dans Jean chapitre 17. Non, mon frère. Partons dans Jean chapitre 17. Pardon. Partons. Toi, tu as tapé au mur. On parle. C'est comme toi là. On ne peut pas parler. Attendez. Tu dis quoi? Je dis, ouvre la Bible. Mon tafsir et puis on va dans Jean. Moi, je m'en fous de tafsir. C'est ce que je te dis. Le verset du Coran qui est écrit, si le Coran n'a pas dit, sera dit. L'imam est là, on peut lui demander. Nous, on regarde le tafsir si on ne comprend pas. Mais si on comprend, on s'en fout de tafsir. Imam est là, non? On regarde le tafsir si on ne comprend pas. Hein? Oui, le verset est clair, donc on s'en fout de tafsir. C'est que moi, je vais te dire maintenant là. Maintenant, laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Jusqu'à présent, tu n'as pas lu. Mon frère, c'est jusqu'à mon présent, tu n'as pas lu. C'est mon tafsir. Laissez-moi monsieur lire. Monsieur Soare. Oui. Moi, comme je viens de Marche, donc je ne sais pas réellement c'est quoi le titre de votre débat et aussi qu'est-ce que le pasteur veut dans ce verset-là à dire aux gens. Je ne sais pas réellement. Mais s'il veut attribuer, c'est comme si l'affirmative est en train de dire qu'il va prendre une femme ou une fille, je ne sais pas quoi, mais il dit là. Non, ce n'est pas parce qu'il si, se trompe, ça n'existe pas dans le Coran. Voilà. En tout cas, il y a quand même la réponse aux féticheurs qui étaient à la Mecque, qui ont attribué un enfant ou même une fille à Allah. Allah a dit que si, il y a autre verset qui parle sur ça. Mais ce qui est là, en tout cas, ce n'est pas mentionné que Allah veut prendre une femme. Là, ça c'est pas mentionné. C'est en vérité. Oui, même si Allah dit si. Mais pour répondre aux associataires que Allah a pris une fille ou une femme, il y a beaucoup de textes coraniques originaux qui répondent à ces gens-là. Ça existe, mais ça veut dire pas qu'Allah veut prendre. Il ne faut pas comprendre les deux. Allah est en train de répondre à ce que les gens ont dit. Attends. Je te donne. Mon frère, attendez. Wait a minute. La sourate 6, 101. Sourate 6, verset 101. C'est quoi? Allah dit ceci. Comment est-ce que je peux avoir un fils lorsque je n'ai pas de copine? Je n'ai pas de copine. Ça, c'est Allah qui dit ça. Il dit quoi? Il dit. Allah dit ceci. Comment est-ce que je peux avoir un enfant si je n'ai pas de copine? Ça, c'est Allah qui dit ça. Sourate 10, verset 101. Attendez. Sourate 101. Non, il faut faire descendre. L'arabe là, mon ami là, comme lui, il lit l'arabe. Non. Il y a l'arabe en haut là-bas. Il dit, comment est-ce que je peux avoir. Attendez. Abdallah, tu vois, non? Arabe, là, c'est écrit, non? Allah dit qu'il a besoin d'une copine. Attendez, on va t'expliquer. Abdallah, il faut lire ça, tu vas nous expliquer. Ah, mais c'est clair, non? Dieu est en train de dire, là, ici, « Badi'a ou samawat wa l'arbe, anna yakounu lahu waladun, wa lam takun lahu sahiba, wa khalaqa kulli shay'in, wa huwa bi kulli shay'in alim. » Voilà ce qui trompe mon pasteur ici. C'est le mot sahiba. Donc, quand on dit sahiba, ça veut dire pas copine. En arabe, on ne dit pas à une copine sahiba. On ne dit pas à une copine en arabe sahiba. Sahiba veut dire mon épouse. Non, ça ne veut pas dire épouse. Ça ne veut pas dire épouse. Mais j'étais pas. J'ai le dictionnaire ici, mon frère. Tu vois, non? Tu ne peux pas discuter sur l'arabe. Toi, tu ne parles pas l'arabe, non? Le dictionnaire est là. Sahiba, ça veut dire copine. On va vérifier le dictionnaire.
J'ai le dictionnaire ici. Ok, allez-y, allez-y, allez-y. Mais qui a écrit le dictionnaire là? Non, non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Il ne va pas trouver ça. On va vérifier. Il ne va pas trouver ça. Saïba, c'est là-bas. Copain, copain, copine. Saïba, ça veut dire copain ou bien copine. C'est écrit là, Saïba. Ce n'est pas ça, c'est pas le dictionnaire encore. Dictionnaire français arabe. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Mon frère, ce sont les Arabes. Mais qui? Tu dis que ce sont les Arabes. Qui? Allah dit ceci. J'ai besoin d'une copine pour avoir un enfant. Attends. Sourate 6, verset 101. Il faut écouter. Attends, moi je te dis, c'est qui est écrit en arabe. Il faut écouter. C'est écrit en arabe. C'est ça qui est le texte original. Donc, c'est pourquoi, dès que je suis venu là, ça veut dire que toutes les traductions là, c'est mentionné, c'est des sens approximatifs. Donc, c'est pas, cela veut dire pas réellement que c'est que le traducteur est en train d'insérer ici, c'est ça, typique, non? Ici, sahiba veut dire épouse, épouse. Donc, Dieu ne peut pas avoir, et c'est mentionné aussi dans Surat al-Ikhlas, je ne sais pas, Surat 113 ou 12. Non, là-bas. Mon frère, Saïba ne veut pas dire épouse. Mon frère, ici, le contexte qui. Mon frère, ça veut dire copine. Allah dit, j'ai besoin d'une copine pour avoir un enfant. Non, non, attendez. Écoute. Je vais t'envoyer à un autre verset, là où tu vas trouver le mot sur la copine. Copine. Vous voyez? Voilà. Surat al-Maïda, peut-être aussi c'est le surat 6, non? Mon frère, le dictionnaire dit ceci. Mais attends, non, mon pasteur. Copine. Vous mon allez frère, comprendre. Passez. C'est moi, c'est le Abdullah, dictionnaire. Abdullah, ce que moi je vais te dire, Abdullah, il faut m'écouter. Alors, que ça soit copain, que ça soit épouse, oh, ça sent quoi? Oh! Attendez, ça sent quoi? Attendez, Abdullah, ça sent quoi? Abdullah, même si tu vas faire, attendez, même si on va laisser ici jusqu'à demain, c'est rentré dans ta tête là, copine, ça ne va pas sortir. Hein? Acceptons, si le Coran dit maintenant copine, ça va changer quoi? Oui? Ça sent quoi? Dis-nous. Pour vous là-bas, Dieu n'a pas pris femme. Lorsque Moïse a fait la guerre, ils ont pris les femmes à ramasser. La Bible dit que ça, là, c'est pour Dieu. Après de diviser. Dieu a pris sa part de femmes. Allah dit que pour avoir un enfant. Oui, tu as lu ça dans la Bible. C'est que moi, je te dis. Attendez, c'est que je te dis. Dieu dit si il a voulu, si il veut. C'est comme le Coran dit, si Allah avait Sam, si Dieu a un enfant, dis moi-même, je vais adorer l'enfant là. Ça ne dit pas que Dieu. Quand on dit si, c'est conditionnel. Quand on dit si, c'est conditionnel. Je vais lui envoyer là où c'est mentionné dans le Coran, le mot copine. Ça, c'est le surat 6. Il faut faire sortir 6. Oui, verset 5. Je crois il faut faire sortir surat 6. Attendez, il va faire sortir. Tu dis surat 6, quoi? Verset combien? Verset 5. Copine ou bien? Oui. Parce que tu peux faire sortir ça. Il faut qu'il joue d'abord. Ce qu'on dit, il ne fait pas ça, hein? On va y aller. Surat combien? 6. Surat 6, verset 5. Chapitre 6, verset 5. Verset 5. Ok, voilà. On y va. Verset 5, on nous dit ceci. Ils traitent des mensonges la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont non, avoir des pas, nouvelles. Non, c'est pas ce surat. C'est surat Maïda. Avant, c'est ça. Ça, c'est 5, non? 5, ça, c'est 5. Abdullah, il faut, c'est ça là que tu vas t'apprendre, non? Ça, c'est surat 5, verset 6. Oui. Tu as dit surat 6. Voilà, verset 5. Surat Maïda, verset 5 encore. Voilà. Yeah. Okay, verset 5, on nous dit ceci. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous êtes permis la nourriture des gens du livre. Donc les gens du livre. Les musulmans doivent manger la nourriture des chrétiens. C'est que les mais chrétiens mangent. Mais laisse ça là, c'est pas là-bas qu'on veut. C'est pas ça, il faut lire. C'est pas là-bas qu'on veut. Allez-y seulement, il faut lire.
Toi, si tu me donnes le manger, pourquoi pas que j'y mange? Il faut laisser ça. Il faut lire. Même notre boisson, vous devez voir. La nourriture des chrétiens, c'est pour vous. Il faut lire seulement. Allez-y, allez-y. La viande allez-y, de porc. Pasteur. Nous mangeons la viande de porc. Vous pasteur, il faut lire. Il faut lire ça. Hein? Et votre propre nourriture leur est permise, sauf à moi. Moi, je ne lui mange pas la nourriture halal. Donc, le je vice versa. Halal. Okay. Donc, là-bas, c'est vice versa. Hein? Il ne faut pas oublier. Je il faut lire. Les femmes. Moi, je ne mange pas halal. Je mange pas kosher. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre. C'est faux. Un musulman ne peut pas se marier à une chrétienne. C'est interdit. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Allez-y. Les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare avec contrat de mariage, pas de mariage muta, mariage temporaire, pas ça. Non en débauché, ni en preneur d'amende. Voilà. Voilà. Et... Voilà. Oui. C'est là-bas. C'est là-bas, oui. Le Mohamed. Oui. Voilà. Vous voyez? Oui. Un copain ou une copine, c'est un amant ou un amant. Voilà. Maintenant voilà. On ici, va vérifier. Ici, vous voyez. Donc, Allah a conditionné pour épouser une chrétienne ou une juive pour avoir cela. Il ne faut pas qu'elle ne soit pas, voilà, relation, voilà, à un amant ou à un copain, voilà ici. Il n'a pas parlé de le mot qui est utilisé dans l'autre sourate là que vous avez mentionné, sahiba. Ici, c'est pas sahiba qui est mentionné, vous voyez. Voilà, mutakhidi akhdan. Akhdan, c'est ça qui est copine ou amant en arabe. C'est pourquoi je vous ai dit, ça l'autre là, ce que vous avez dit là, ça veut dire épouse, vous voyez, non? Pourquoi il n'a pas dit ici encore sahiba? Voilà, mutakhidi, sahib, ou bien sahiba. Mais il a dit tout simplement akhdan. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre les choses. On va vérifier dans le dictionnaire. On va vérifier. Allez-y. Laisse-le. Attendez, monsieur. Voilà, ici, mutakhidi, akhdan. Ça ne va rien changer. Akhdan, laisse-le. Voilà, oui, ça ne va rien changer. On va aller, Jésus est Dieu. Voilà, à chaque fois tu fais le débat avec lui, il sait tout pour changer. Il sait tout pour changer. C'est raison pour laquelle le débat avec toi, c'est dur. Puisque, oui. Puisque, on est dur. Puisque, changer. Avec moi, on vérifie tout. Voilà, moi, je ne débat pas comme les autres. C'est ça même qui est bon. Mais au contraire, il ne faut pas empêcher la vérité d'en connaître. Voilà, pour les gens. Ça aussi, ce n'est pas, en tout cas, bon. Maintenant, ce mot ici, hein, empreneur d'amende, tout ça, oh. Des amendes, tout ça. Oui, c'est vrai. Ah, mais vous voulez quoi maintenant? Amende veut dire... Ça est devant vous, non? Ça est devant vous, non? Oui. Amende voilà. Veut dire quelqu'un que tu aimes en secret qui n'est pas ta femme. Voilà. Hein? Oui, ta copine. Non. Copine, Allah a défini ici. Il a dit que copine, sahiba, qui veut dire petite copine, c'est écrit là, ce n'est pas moi qui ai écrit. Une petite amie, sahiba. Quelle est la différence entre copine et petite copine? Quelle est la différence? Mon frère. Non, quelle est la différence? Une amante. Non, petite copine là et copine, quelle est la différence? Le pasteur a le problème parce qu'il ne veut pas employer les mots dans leur contexte. Si vous permettez de mettre le mot sahiba dans son contexte, vous le voyez directement, ça veut dire épouse. Mais ça ne dérange pas parce que c'est une réponse à ce qu'il a prévu. Allah, il a pris quoi, un enfant ou une femme. C'est la réponse pour ces gens-là. Ça ne veut dire pas ici que si Allah est en train de dire aux gens qu'il va, ou bien si. Et vraiment, et si Allah est Dieu, il doit être capable d'avoir un enfant, même sans copine. Allah peut créer. Vous dites, mais il a dit ça. Il a dit ça. Il peut dire. C'est mentionné. C'est pas toi-même qui va dire ça là.
Mais ce qui est dit de l'autre côté, Allah dit, écoute-moi, Allah dit dans le Coran, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. C'est surat Maryam. C'est surat 16 ou peut-être entre 16, 15 et 14 comme ça là, à la fin, que c'est pas permis au musulcan de prendre un enfant. Si Allah prend un enfant, qui va juger entre les gens? Allah va mettre son enfant à faire n'importe comment. Vous voyez, je ne suis pas, je n'entends pas de faire la comparaison entre Allah et ses créatures. Non, c'est pas terminé. Pour éclairer un peu la partie, on voit les présidents qui nous disent à l'heure là, leur enfant. Et tout récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, là où le fils du président africain frappait les autorités russes. Je ne sais pas c'était à quel côté. Vous voyez comment il se comporte parce qu'il sait que c'est son papa qui est le président. Imagine-toi que si on a un enfant de Allah, il est le plus, subhanahu wa ta'ala, qui existe dans ce monde-bas et qui sait très bien qu'il est l'enfant de Allah, comment il va se comporter envers les humains? Et Allah va juger comment? Donc, Il y a un chrétien qui parle. Il dit que nous, les chrétiens, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Pourquoi ça, vous faites mal, vous, les musulmans? Ce n'est pas nous qui a nié cette affirmation. Allah. Vous avez menti sur Allah. Allah même qui a répondu à votre mensonge. Ce n'est pas nous. Est-ce que c'est nous qui a dit qu'Allah n'a pas enfant, non? Allah a dit qu'il est incapable d'avoir un enfant puisqu'il n'a pas de copine. Ça, attends, c'est pas Dieu. Mais vous êtes pas sérieux. Il faut citer, c'est toi-même qui est en train de formuler cette... Attends, moi je vais demander, pasteur, est-ce que Dieu peut faire tout? Pasteur, est-ce que Dieu peut faire tout? Je te pose la question, tu dis je dis, est-ce que Dieu peut faire tout? Mais la Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit tout est possible à Dieu. Voilà, attends, dans je viens. Parole. Nous les musulmans, je viens. Nous les musulmans, Dieu ne peut pas faire tout. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je tout viens, est je po- viens. Je tout viens. Est possible écoutez, à Dieu. En tentant de faire la comparaison. Attendez. Pour nous les musulmans, Allah ne peut pas faire tout. Yeah. Est-ce que tu comprends? Yeah. Et pour vous les chrétiens, Allah peut faire tout, oui ou non? Dieu peut faire tout, oui ou non? Non, j'ai dit pour vous, Dieu peut faire tout. Donne-moi le verset qui dit Allah ne peut pas tout. Il dit que donne-moi le verset. Allah n'a pas dit ça. Parce qu'il n'a pas dit. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset qui dit. Frère, je vais te dire la vérité. Attends. Je te pose la question. Attendez, je te pose la question. Ici, là où je vais. Allah ne peut pas tout faire. Essaye de me bloquer. Il faut m'écouter. Est-ce que pour vous, Allah, Dieu peut faire tout? Je te dis oui. Dans la parole de Dieu. Il y a des problèmes. Est-ce que Dieu peut quitter dans l'existence? Ou bien. Est-ce que Dieu peut mourir? Donc, Allah n'est pas Dieu. Non, je te pose. Est-ce que Dieu peut mourir? Tu as prouvé que. Mon frère, il a déconnecté, il est malin. Il est malin. Il sait que là où je vais partir, le problème de connexion, il est malin. Allô? Allô? Oui, pasteur, oui, allô. Pasteur, oui. Je te pose la question. J'ai dit... Est-ce que Dieu peut faire tout? Je t'ai répondu dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dieu peut tout faire. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est écrit où dans la parole de Dieu que Dieu peut mourir?
C'est Dieu ça. peut mourir. Je t'ai dit dans la parole de Dieu, Dieu peut tout faire. Si oui, Allah, si Dieu Allah, peut mourir. Est-ce que Dieu peut mourir? Si, c'est écrit où dans la parole? Je t'ai dit dans la non, parole. Tu dis que Dieu peut faire tout. J'étais en train de te poser oui, la question. J'ai dit, est-ce que Dieu peut mourir? Mais dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il peut, Dieu tu dis qu'il peut faire tout. Est-ce qu'il peut mourir? Où est-ce qu'on a écrit dans la parole de Dieu que Dieu peut mourir? Mon frère, je te pose la question. Tu dis Dieu peut faire tout. Je suis d'accord. Pour que je sois d'accord. Attends, pourquoi je sois d'accord? Parce que le Coran, Dieu a dit qu'il a le pouvoir sur tout. Dieu n'a pas dit dans le Coran qu'il peut faire tout. Le verset-là n'existe pas dans le Coran. Moi, je te pose la question maintenant. Je dis, est-ce que Dieu peut faire tout? Tu dis oui. Je dis, est-ce que Dieu... Attendez. Est-ce que Dieu peut mourir? Pasteur, est-ce que Dieu peut mourir? Ouvre mon écran. Pasteur, est-ce que Dieu peut mourir? C'est écrit où? Je te pose la question. Je dis, est-ce que Dieu peut mourir? Mais ce n'est pas écrit. Je te dis, Dieu peut tout faire, tout dans sa parole. Oui, c'est ça que je te dis. Je te dis, c'est tout là. Mourir là, ça fait partie de tout là, non? Oui. Je te pose la question, est-ce que Dieu peut mourir? C'est écrit où? Dans la parole. Ce n'est pas écrit dans la parole. Est-ce que tout Dieu peut mourir? Est-ce que Allah peut mourir? Je te pose la question. Non, nous, on dit Dieu ne peut pas faire tout. C'est clair. Nous, les musulmans, notre position, c'est clair. Allah ne peut pas faire tout, mais il a le pouvoir sur tout. Je te pose la question. C'est ça que le Coran a dit. Le Coran ne nous a pas dit qu'Allah peut faire tout. Le Coran n'a pas dit ça. Moi, je te pose la question. Je dis, pasteur, pardon. Est-ce que Dieu peut mourir? Sinon, toi, Dieu peut faire tout, non? Est-ce que Dieu peut mourir? La Bible dit tout est possible à Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui ou non? Est-ce que Dieu peut mourir? C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Est-ce que Dieu peut mourir? Tu dis Dieu, Allah peut faire tout, non? Tu dis Dieu peut faire tout? Oui. Voilà, mourir là, ça fait partie de tout là, non? Ah. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ce que je te dis dans la toi, parole. Toi, tu n'es pas un pasteur. Tu connais si la vérité. Tu es là, ce que je te dis. Toi, tu veux si tromper les gens. Si tu poses une je question. Je te dis, est-ce que ton Dieu la peut mourir? C'est ça. Donne-moi l'écriture. Non. Est-ce qu'il peut mourir? Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il peut créer un autre Dieu qui n'a ni le commencement ni la fin? Ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il peut faire ça? Ce n'est pas écrit. Voilà le problème. À savoir, est-ce que Dieu est partout? Je te pose la question. Est-ce que Dieu est partout? Oui, Dieu est partout. Est-ce que Dieu est au l'enfer? Mais nous, Dieu n'est pas partout. Hein. Nous. Il est partout. Est-ce que Dieu est au l'enfer? Dieu est partout. C'est lui qui a créé l'enfer. Oui, il est là-bas, dans l'enfer, là. Mais n'est-ce pas que Allah est en enfer? Non, mon frère. Moi, je te pose la. Je dis que Allah n'est pas partout. Moi, je suis clair, hein. Allah, moi, je te dis que moi, mon Dieu là. Attendez. Mohamed a dit. Mon frère, Allah il faut écouter. Est-ce que ton Dieu là est partout? Mon frère, moi, ouvre mon écran, je te prouve que. Okay. Mon frère. A dit Allah est en enfer. Donc, ceux qui sont au l'enfer là, ils sont au l'enfer avec Dieu. Dieu est partout. Mon écran, je te montre que Mohamed a dit qu'il dit Dieu peut faire tout. Est-ce que Dieu est partout? Tu n'as pas la réponse de ça. Mon frère, même ta Bible là, Jésus dit notre Père qui est dans le ciel. Attendez, Jésus dit notre Père qui est dans le ciel. Toi là, tu dis que à chaque fois tu dis que la Bible est dans ton champ là. Attendez, on va déjà te. Maintenant, comment est-ce que Allah se retrouve en enfer? Ce que je te dis, je viens. Si comment tu dis que Mohamed a dit... Attendez. Si tu dis Dieu a la puissance, Dieu pasteur, remplit tout. Je viens. Si tu dis Dieu il est partout, toute chose. Attendez. Il est là. Attendez. Si tu as dit que Dieu est partout, si on dit par exemple que tu es dans le péché, tu es dans le péché, c'est ça ton Dieu problème. Va t'abandonner. Cela veut dire Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas là où tu es. La présence de Dieu n'est pas là. Lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, l'omniprésence, c'est là que Dieu a la puissance partout. Même en enfer, Dieu a la puissance.
Mais attends, Dieu n'habite pas. Dieu n'habite pas le péché. Il n'habite pas le péché. Je viens te poser là. Parce que si toi tu dis, Dieu n'habite pas le péché. Il faut écouter. Mais là, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Dieu est omniprésent. Mon frère, pourquoi tu n'aimes pas écouter? Toi, tu dis Dieu est partout. Mais dans votre Bible, Dieu dit que je viendrai. Tu vas aller quelque part, là où tu n'es pas. Ah. Oui, Dieu va venir. Mais il est partout. Ça, c'est quoi? Si je suis là, comment je vais venir encore? Je suis déjà là. Oh. Je suis déjà là. Donc, pour vous, Dieu est présent partout. C'est-à-dire, il est présent partout. Mais il va venir encore, comment? Il est présent ici, il va venir encore. Comment? Donc tu dis, Dieu ne peut pas venir. Eh bien, Nayo, tu dis que Dieu, si la présence omniprésente, la présence de Dieu est là. Mais comment il va venir encore, il est là? C'est ça ma question. Comment il va venir, il est là? Donc Dieu ne vient pas. Venir, c'est-à-dire quoi? Si je dis, je vais venir, je viens. Je vais aller là où je ne suis pas. Là où je ne suis pas, c'est le français. Attends, oui. Mais si la présence de Dieu est partout, pourquoi il va venir encore? Oui. Réponds la question. Mais maintenant, donc cela veut dire que Dieu ne peut pas venir. C'est ça. C'est ce que tu me dis. Pas te dire que la présence de Dieu est partout, non? Dieu est présent partout, non? Oui. Il va venir encore. C'est une erreur. Là où la Bible dit Dieu viendra, c'est une erreur. Mon frère, il va venir. La Bible, si la Bible dit que la présence de Dieu est partout, au pire dit encore Dieu va venir, c'est une contradiction. Donc, si on dit Dieu viendra, c'est une erreur. Il n'est pas là. Il va venir, c'est-à-dire quoi? Il va être dans un endroit. Non, il n'est pas. Non. Je vais me dire là aussi, on dit Dieu viendra. Je viens te donner la parole. Attends, Abdallah, en islam, est-ce que Dieu est partout? Attends, mon frère. Pourquoi est-ce que le Coran dit Allah viendra? Est-ce que moi je t'ai dit Dieu est partout? Nous les musulmans disent, même si le Coran, Allah viendra. Tu n'as pas compris. Même si Allah vient, nous les musulmans, je t'ai dit, Dieu n'est pas partout. Même s'il vient, il va être dans un endroit qu'il n'est pas. C'est ça que je t'ai dit. Je dis que Dieu n'est pas partout. Donc, tu n'as pas compris? Allah n'est pas sur la terre. Tu dis quoi? Il n'est pas sur mon la terre. Mon frère, si je dis que Dieu n'est pas partout, Dieu n'est pas ici, il n'est pas au enfer, il n'est pas dans le WC, au cabinet. Si toi, tu veux uriner là-bas, tu vas uriner sur Allah. Tu vas aller aux toilettes. Si tu pars aux toilettes là, ce que tu fais là, Dieu est dans le trou là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Tu dis, tu parles de quoi? Allah n'entre pas dans la toilette. C'est pour cela qu'on vous dit d'entrer avec le pied gauche. C'est quoi le problème des pasteurs? Non, le problème des pasteurs... Ça, ce sont des traditions des... Pasteurs des juifs qui vous disent entrer avec le pied gauche. Mohamed a recopié. Non. Ce que je te dis, ça là, ça n'a rien. Regarde, pasteur, c'est vous qui amène ce débat-là. Voilà, désordonné. Sinon, si vous permettez qu'on parle pas à part, ça allait être très, très bien. Et il ne connaît pas Dieu. Celui qui dit Dieu est partout, est-ce qu'il y a des leçons et des avantages? Et c'est les gens qui suivent aussi. Donc, c'est mieux de s'écouter et se donner le temps. Abdallah, j'ai une question à te poser. Est-ce que Allah est partout? Oui. Est-ce que Allah est partout? En islam, Allah en soi-même n'est pas partout. C'est ça. Voilà, merci. Mais c'est ainsi sa recommandation qui existe partout. Voilà, pasteur, c'est tout ce qui se passe. Oui. Voilà, mais plus proprement dit qu'il existe dans ma chambre ici ou bien dans ta chambre ou bien là ou non. ou bien, et c'est très clair, il dit wa ahata bi kulli shay'in ilm. Qu'il a couvert toutes les choses par sa connaissance. Voilà. Pasteur, donc il n'y a pas de problème. On est d'accord. Et je vois l'intitulé maintenant, Jésus est-il Dieu? Il ne veut pas qu'on rentre dans la Bible, mon verset, Jean 17, 3. Avec il faut rentrer les chrétiens. Jean 17, 3. Jean 17, 3.
Jean 17, 3. Jean 17, 3. Ah. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oui, on va y aller. Jean 17, 3. Tu as peur du Coran? Jean 17, 3. On va voilà. Parler dans Jean 17, 3. Jean 17, 3. On va lire. On la vie éternelle. Quelle est ta question? Voilà. Moi, je te dis, tu sais ici, là, qui a envoyé Jésus? Ah, donc, OK. À l'intention de notre frère ici, Alassane Camara. Ici, nous allons lire, on dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissait. » Vous, mon frère, il faut enlever vous, là, pardon. Pardon. L'autre verset, là, il faut envoyer, pardon. Je n'aime pas le verset, là. Oui, pardon. Tu sais ce que je vais te dire, pardon. Là où c'est écrit toi, il faut enlever ça. Il ne faut pas jouer, ne joue pas avec. Mais pourquoi tu veux jouer? C'est, on les a programmés, oui, on vous a programmé de tromper les gens. Ça ne marche pas avec moi. Je me demande même, monsieur Soyez, attends d'abord, je me demande même, est-ce que réellement, en vérité, le pasteur est là pour ses fidèles, pour les solidifier et pour les montrer qui sont dans la vérité, ou bien il est en train de jouer pour faire passer le temps inutilement. C'est pas comme ça qu'on doit faire un débat, hein? Et si très très intéressant qui concerne la religion, c'est le demeure des gens. Il faut pas voilà. Jouer avec. Voilà. Eh, hey, pasteur, quel est le nom de l'envoyé ici? Ta propre parole aussi. Ouais, attends, Abdallah, on vient. Le verset dit: Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quel est le nom de l'envoyé ici? Pasteur. L'envoyé, c'est Jésus-Christ. Voilà. Qui l'a envoyé? C'est son père. Voilà. Donc, Jésus-Christ a été envoyé. Il n'est pas envoyeur, non? Ah oui. Bon, donc, selon toi, Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Qui l'a envoyé? Ah, mais Jésus-Christ est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment ça? Ici, le verset là seulement. Parce que celui qui Jésus-Christ est envoyé. Donc, le nom de l'envoyé ici, oui. C'est Jésus-Christ. Maintenant, l'envoyé, c'est le seul vrai Dieu. Il a envoyé qui? Il a envoyé Jésus-Christ. Oui. Puisque Dieu a dit ceci dans Osée au chapitre 1, verset 7. Je suis là, je reprends l'écriture. Dieu dit ceci, la prophétie d'Osée. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je le sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Dieu dit que je vais envoyer Dieu. Dieu dit, je vais envoyer l'Éternel pour les sauver. C'est Dieu qui parle en parabole. Lorsque Jésus dit, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est une parabole. Puisque Dieu parle en parabole. Selon ce qui voilà, est maintenant là, maintenant là, je comprends. Tu dis que ton Dieu, attendez. Tu dis que ton Dieu parle. Attendez. Pasteur, il y a une question. Matthieu chapitre 13. Oh, ben, écoutez. Si je parle, tu enlèves mon écran. Je suis là pour défalquer les mensonges. Dieu a envoyé Dieu. C'est Dieu qui envoie Dieu. C'est le prophète Osée qui dit que je le sauverai par l'Éternel. Mais toi, tu dis que Dieu parle en parabole. Même ça aussi, c'est parabole. Oui, même ça, c'est parabole. C'est comme ça que Dieu parle. Oui, non, ce n'est pas. Ouais, c'est parabole. Écoutez. Vous permettez de dire que Dieu parle en parabole? Oui. Vous pouvez nous parler à une parabole? C'est quoi une parabole? Littéralement. C'est quoi une parabole? Ouais. Pasteur a beaucoup. Pasteur nous a montré que Dieu parle parabole. Osée, chapitre 1, verset 17. Ça aussi, c'est parabole. Donc, on va laisser. Oui, tout ça, c'est parabole. Mais même le verset qui
qu'il est en train de lire tout de suite là, il ne peut pas le défendre. Moi, je lui lance ce défi, il ne peut pas. Abdallah, ce que nous allons faire, Abdallah, pardon, il faut m'excuser. Excusez-moi, le pasteur. Donc, moi, j'aime les défis. Pasteur, je suis le maître de défis. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, j'aime. Il faut chercher un terme dans le Coran. Attendez, je suis là pour prouver qu'Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a mon frère ici, comme lui, il a maîtrisé le Coran. On va préparer un autre jour. Toutes les questions que tu as dans le Coran, là, il va te répondre. Vous comprenez? Tout ce que tu n'as pas compris dans le Coran. Oui. Je ne pense pas qu'il puisse répondre. Il n'y a pas de problème. Il faut chercher. Moi, je vais faire arrêter le débat ici. J'ai mon rendez-vous. Je vais partir quelque part. Abdallah, toi et Pasteur, il va chercher les questions dans le Coran. Tu vas répondre tout. OK? Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Inch'Allah, je vais dire à Pasteur. Je peux conclure. Merci en tout cas. Merci, je vais partir. Je peux conclure. Tu dis quoi? Est-ce que je peux conclure? Je peux conclure. Oui, c'est bon, tu as 2 minutes, je vais partir. Le temps là est fini. Donc, ok, la conclusion. Donne-moi mon écran, je conclue. Donne-moi mon écran. Mais si tu pars hors du sujet là, je vais enlever. Hein. Oui. Donc, la conclusion est que dans Jean, au chapitre 5, verset 46, Jésus a parlé que si vous croyez à Moïse, vous ne me croiriez pas ce qu'il a écrit de moi. Donc, Moïse a parlé de Jésus, et puisque le Dieu de Moïse, c'était Jésus-Christ. Dans Jude, au chapitre 1, verset 5, vous avez tout gâté. Mon pasteur, vous avez tout. Abdallah, c'est bon comme ça. Moi, je vais partir à la main. Je vais partir. Gâté. Attendez, verset 46, donc, là, il faut répondre. Pardon, une seule question. Le Dieu de Moïse, c'est Jésus, c'est écrit là-bas. Jésus, pardon, il faut après avoir tiré le peuple hors du pays d'Égypte, puis c'est périr. Non, il faut revenir. Je parle de verset 46. Bon, ça, c'était la conclusion. Bien, je veux que vous puissiez démarrer. Puisque le frère disait qu'il voulait partir. Attendez. Non, ok. J'aimerais vous dire que dans verset 40. Et attends d'abord. Apocalypse chapitre 21. C'est là. Vous avez bien dit. Jésus, c'est notre Dieu. Jésus, c'est Dieu. Et puis, j'aime même. Attendez. On va lire non, ici. Non, il faut pas dire que Jésus est Dieu. Même dans le Coran, Jésus-Christ est Dieu. Et en même temps. Verset 31. Parce que, permette-moi. Oui. Permette-moi un peu là. Vous avez assez parlé. Oui. Je disais que là où vous avez montré que si vous croyez à Moïse, je ne sais pas, verset 46 là, vous avez fait montrer ici tout de suite là. Je vous donne juste quoi? Il y a une comparaison là-bas. Jésus se compare à Moïse, en tant que Moïse, comme un envoyé de Allah, et lui-même aussi en tant qu'envoyé d'Allah. Donc, c'est clair là-bas, c'est vous-même qui vous avez donné ça là, comme votre problème. Donc, ici, Jésus ne peut pas être Dieu et pourtant aussi il se compare à Moïse en termes d'envoyer d'Allah. S'il est Dieu, il doit parler comme Allah ou comme Dieu, comme vous voulez employer dans votre livre-là. Mais ici, quand même, car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Donc, ça, c'est une comparaison. C'est très clair, palpable. Comme vous croyez à Moïse, non, même si Moïse n'existait pas, on devrait croire à Allah. C'est ça qui est le principe. Jésus dit qu'il veut montrer à ses fidèles qu'il doit reconnaître qu'il est envoyé d'Allah. Donc il y a des personnes. Il y a des personnes. Lui, en tant qu'un envoyé de Dieu, donc il y a quelqu'un qui lui a envoyé, c'est le Père, comme vous.
Et il a dit, c'est le Jésus, ma frère, je te dis, c'est bon, l'heure est arrivée, ma femme est prête, on va partir. Ok, donc, ok. Le rendez-vous, en tout cas. Oui, ouais, le lundi, il faut chercher tout ce que tu veux. Le lundi, mon imam est là, on va bien programmer. Le lundi, on va faire le débat, ok? Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Abdallah, salam alaikum. Wa alaikum salam, merci.